Bien le bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui sur un petit jeu d'horreur indépendant qui s'appelle Levana. Donc on part sur une respiration de phoque, très bien. Donc c'est un petit jeu indépendant, je pense qu'on en fera deux aujourd'hui parce que il semble être assez récent et donc assez court, je sais pas la durée, on verra. Le monstre a l'air d'être bien... ben pas très effrayant si c'est celui-là actuellement là. Voilà, voilà. On perd pas plus de temps, let's go. Qu'est-ce qui arrive à Levana pour qu'elle crie comme ça? Je vais... Quoi? Pourquoi je peux parler? On peut envoyer notre cri, voilà. Dad, remember to take your medication. N'oublie pas de prendre tes médicaments. I leave it on the dining room table. It will calm you down and you will stop begin sooner. J'ai quitté la table, la table de la salle à manger. Pour que tu sois calme et que tu arrêtes d'être aussi nerveux. Non, mais je viens de commencer le jeu, m'agresse pas de suite, putain. Il va à la City Market pour Boy Food. Il est derrière le mur, là, on est d'accord. Hein. Que quoi? Non, mais ça, vous voyez, ça a l'air d'être typiquement le jeu de con que j'aime pas, parce que on se fait tout le temps poursuivre par un monstre de merde, là. Par lui, par exemple. Hello. En plus, on peut pas courir, on peut juste marcher. Ah si, on peut courir, attends pour moi. Et contrôle. C'est très intelligent, ça. You died. Allez, on change de jeu. Nous voilà donc sur Ethereum. Ça, c'est très bien, vous voyez. Alors là, ils ont vraiment pensé à mettre les touches. Et rien que pour ça, je dis bravo. Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Par contre, on en parle que de suite, ça y est, c'est des boîtes de ramen, de nouilles, tout ça, il faut mettre le logo du soleil levant. Bravo le cliché, hein. Non, bah oui, mais en fait, non. Ah, je vois des nombres. 7, 0, 3, 3, 0, 7. Je comprends rien à ce jeu. Waouh. Je dois faire quoi? 1 hour later. Bon, qu'est-ce que j'ai pu rater? Là-dedans, y'a rien. Bon. 3, 9, 7. Il nous manque un chiffre. 9, 3, 7, 0. 9, 3, 7, 8. 9, 3, 7, 5. 9, 3, 7, 4. It's open the door! Je sais pas du tout où il était le 4, mais voilà, hein? Mais compris. D'accord, mais il faut que j'aille où, s'il vous plaît? Que quoi? Je sais pas pourquoi il y a eu un bruit, mais j'ai la batterie. La batterie! What? Enter password? J'y comprends pas. Ah, attendez. Il est là, le password. Non, attendez. C'était quoi, le truc? Et si j'éteins lui, et que je mets lui, on a karma. C'était bien karma. Ça n'a aucun sens. Du coup, le mot de passe, c'est karma. Ah, merde, ZQSD. J'ai peur de fermer mes yeux. J'ai peur de les ouvrir. Je tourne fou, avec ces longs intervalles de ces horribles Satanas Sanity, je sais plus c'est quoi exactement le mot. Bon, bref, vous avez compris. Y a quelqu'un là-bas. Y a quelqu'un. Y a personne. Je pensais vraiment que c'était une porte et pas ça en fait, parce que c'est à dire que le monstre il était juste derrière cette merde là. Et là, je suis pas d'accord, en fait. Je ne suis pas d'accord. C'est un temple japonais, ce qui explique les nouilles, soleil levant, tout ça, hein. J'ai compris. I wonder if those pills will have some fucking... pills, je crois que c'est oreiller. I'm scared. Darkness. Darkness surrounds me. Darkness surrounds me. What makes me human? What makes me human? Pourquoi il y a du bruit et la porte ferme? Oh! Mon humanité a cessé d'exister. Je crois que c'est quelque chose comme ça.
Watai, qu'est-ce qui va arriver? Je sais pas ce qui va arriver, mais non, je veux pas que ça arrive sur moi, hein. Ah oui, bah mettez même plus les sous-titres, hein, savoir déjà que je suis nul à trop. Quoi? Quoi? Il y a un truc qui me tire. Blood, death, blood. Money, lust, pleasure. Argent, pain, amour. Blood, death. Douleur, sans money, mort. Lust, argent. Pleasure. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un phoque qui s'est échoué. Je te vois, hein. M'en fous, j'avance pas. Ah, tu fais quoi là? Ouais, tu peux pas venir, hein. T'es bloqué, hein. Bon, ok, j'avance. Par contre, vous êtes vachement trop grande, madame, je trouve. C'est dommage, parce que le deuxième, il avait une bonne ambiance et tout, il avait des bonnes mécaniques en mode énigme et tout. Mais alors, le... De fin? Non, c'est pas possible ça, pourquoi... Non, faites quelque chose de plus screamer. Oh, les mécaniques du premier, non. Et puis même le monstre, et juste quand il arrive sur nous, ça fait You Died. On a connu mieux, hein, en termes d'horreur. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que il va falloir qu'il sorte un vrai jeu d'horreur, là, hein. Genre The Beast Inside, s'il vous plaît, dépêchez-vous, merci. En tout cas, voilà, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu, même si ces jeux étaient un petit peu... Voilà. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Vous avez tous cru que j'allais dire au revoir.